Il faut forcer le destin pour faire revenir la personne qui est partie. Celui qui est parti, il peut toujours revenir. Il faut forcer. Voilà une astuce simple qui peut peut-être vous donner un coup de main. Il y en a tellement qu'on peut utiliser, mais celle-là, elle est fabuleuse. Alors je la partage avec vous. Et c'est ma grand-mère qui m'a montré tout ça. Soyez attentifs et partagez les vidéos et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Ça, c'est un fil très long. Voilà. Pourquoi il est long? C'est pour que nous puissions réussir cette astuce. Donc voilà le fil. Vous allez dire le nom de la personne que vous souhaitez faire venir. Vous prenez n'importe quelle couleur. Vous faites Jean, je veux que tu reviennes. Jean, je veux que tu reviennes. Jean, je veux que tu reviennes. Trois fois si vous êtes un homme et si vous êtes une femme. Et quatre fois si vous êtes un homme. Janine, je veux que tu reviennes. Janine, je veux que tu reviennes. En fait, vous devez imprégner votre salive sur le fil, tout simplement. Trois fois, quatre fois. Et puis vous frottez. Où que tu te trouves, je t'ordonne et je te demande de revenir vers moi, de reprendre le chemin que tu as oublié. Vous savez, lorsque vous posez quelque chose avec la main gauche, vous allez l'oublier. Et c'est comme si cette personne vous avait déposé quelque part avec sa main gauche. C'est pour ça, avec votre main gauche, nous allons utiliser cette recette simple pour faire revenir la personne qui est partie. Comment vous devez procéder? Voilà vos doigts. Voilà. Vous mettez là, comme ça. Voilà. Et vous faites comme ça. Vous allez complètement attacher, voilà, le fil avec votre coude. Voilà. Voilà. Une fois, à savoir si j'ai un long fil. Voilà. Donc vous allez faire le tour trois fois si vous êtes une femme. Vous allez faire le tour quatre fois si vous êtes un homme. Et quand vous allez finir que vous avez attrapé, vous devez appeler le nom de la personne. Voilà. Trois fois si vous êtes une femme, quatre fois si vous êtes un homme. Et voilà. Voilà le fil qui est là. Voilà. Donc vous allez repasser comme ça. Voilà. Deux fois, trois fois, si vous êtes une femme. Deux fois, trois fois, quatre fois, si vous êtes un homme. Voilà. Vous allez attraper le nœud. Voilà. Voilà ce qui se passe. Donc le nœud s'est formé et vous allez attacher ce nœud sans jamais le détacher, pour éviter que ça se détache. Voilà. Donc vous avez les quatre nœuds que vous avez confectionnés. Voilà, avec le tiraillement. Voilà. C'est bon. Maintenant, vous allez plier ça comme ça en disant, Jean, reviens vers moi. Jean, reviens vers moi. Jean, reviens vers moi. Si vous êtes une femme ou Marguerite, reviens vers moi. Je dis les noms par exemple, hein, vous dites le nom de votre dulciné. Reviens vers moi. Vous allez voir que le fil va s'attacher tout de suite. Voilà. Et maintenant, vous attachez comme ça le fil sept fois. Jean. Donc, pendant que, quand vous allez commencer à attacher, vous allez acheter la colle et puis vous allez la casser. Et vous allez cracher dessus avec la colle et vous allez imprégner le fil de la colle en attachant une fois. Vous cassez encore la colle, vous mangez. Quand vous voulez cracher, vous crachez sur le fil. Marguerite, reviens vers moi et vous attachez la deuxième fois. Vous attachez la deuxième fois. Voilà. Vous crachez encore avec la colle qui est dans votre bouche. En disant tout ce que vous souhaitez. Donc, vous allez faire sept nœuds. Tout simplement. Voilà. Et vous marchez en finissant de faire les sept nœuds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand vous allez finir, vous imprégnez le fil en disant, en prononçant, en disant que cette personne doit venir vous attacher. La salive imprégnée de cola sur le fil comme ça.
Voilà. Et ce fil, vous pouvez le poser, le chemin que cette personne emprunte tous les jours pour venir vers chez vous, c'est là-bas que vous allez déposer ce fil. Je vous dis, wallahi, cette personne, où qu'elle se trouve, elle va prendre la même route là pour venir vers vous. Si vous-même là, ce n'est pas quelqu'un qui a provoqué et fait que cette personne l'est partie, en tout cas si ce n'est pas quelque chose de provoqué et que naturellement cet homme ou cette femme est partie parce que tout simplement on dit elle a mis, elle vous a posé quelque part avec sa main gauche, wallahi, cette femme là va prendre la route et puis elle va venir chez vous. On utilise cette astuce pour faire revenir une personne qui vous connaît très bien et qui a pris des distances avec vous. Moi, je dis dans la vie, il faut forcer les choses, hein. Il faut forcer les choses parce que parfois, on provoque une séparation. Une séparation peut toujours être provoquée. Alors, si c'est le cas d'une séparation provoquée, dans ce cas-là, l'activité est sur vous. Si la relation est provoquée, l'activité reste sur vous. Alors, ça, ce sont d'autres astuces qui sont capables de délier et d'enlever ce blocage qui a été mis et qui favorise cet éloignement de cette personne vers vous. Voilà. Maintenant, si maintenant vous avez fait l'astuce et que vous voyez qu'au bout de 3 mois, vous n'avez pas de réponse ou au bout d'un mois, il n'y a pas de signal, parce que normalement, la personne doit vous appeler. Au bout de 1 mois, la personne doit vous appeler. Si au bout des 3 mois, vous n'avez pas eu de nouvelles, c'est que la relation peut être provoquée et ça, maintenant, le problème est sur à votre niveau. Le blocage a été mis à votre niveau. Quand c'est comme ça, vous devez maintenant vous nettoyer pour enlever ce blocage. Vous pouvez répéter cette astuce au bout de 2 semaines pour accentuer encore la force et la puissance de l'appel que vous souhaitez vers cette personne qui est partie. En tout cas, vous pouvez refaire. Dans ce cas-là, cherchez une colla blanche si c'est un homme et une femme et une colla, un colla rouge si c'est un homme. Et comme ça, vous pouvez appeler cette personne. Dans le même mois, vous pouvez essayer l'astuce 2 fois. Si vous avez fait une fois, vous appelez, deuxième fois, vous appelez, vous allez voir que finalement, au bout des 3 mois, la personne va se signaler. Voilà. Ce sont des astuces simples, mais ça peut aider. Ça peut aider parce que je dis, si tu ne fais rien, il n'y a rien qui va changer. Si tu ne fais rien, il n'y a rien qui va bouger. Parce que on attend toujours que les choses se décantent par toi. Parce qu'il n'y a rien qui va se décanter si tu ne forces pas les choses. Il n'y a rien qui va se décanter si toi-même tu ne vas pas chercher la solution de ton problème. Alors, essayez de vous bouger parce que plus vous attendez, plus la distance entre vous et la personne qui est partie devient plus large. Et plus vous attendez, et plus ça devient compliqué. Voilà. Plus vous attendez, plus ça devient encore plus long. Alors, l'obstacle devient encore plus gigantesque et plus cette personne ne va plus vraiment penser à vous. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, moi, ça a été un réel plaisir de le partager. Alors, partagez les vidéos, abonnez-vous et surtout, appréciez les vidéos.